in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. Bon les petits potes, je vais pas vous faire un plan d'action. Je vais pas te dire faut que je remonte l'intérieur, faut que je change les coupelles de suspension, faut que j'aille en dessous de la voiture remonter les carters à écran thermique. Faut que je mette toute la collection de barillets aussi que j'ai acheté, le kit de démarrage là. Faut que je mette le faisceau moteur. Faut que je mette plein de choses encore. Donc du coup, je te fais pas de topo. J'attaque. J'arrête la caméra. Je bosse. Et de temps en temps, je te reprends comme ça. Et on voit où on en est dans la journée. Là, on est lundi 31 octobre. Il est 8h30. Il reste 3 jours. Sont là les sièges. En fait non, c'est pas les sièges de la voiture. Je vais te raconter une histoire là. Donc j'ai envoyé les sièges chez le sellier parce qu'il voulait les voir pour me donner un tarif. Une fois qu'il les a eu en main, il m'a donné le tarif et j'ai dit non, ça c'est un tarif d'américain, c'est pas un tarif pour moi ça. Ramène les moi, je vais les récupérer, je vois ce que je fais. Et je pense que ça lui a pas plu. Et du coup je les ai toujours pas récupérés, ça fait un mois. Donc si tu veux, il a fallu trouver une solution parce que le sellier c'était pas à côté. C'était même pas en France si tu veux savoir. Donc il y a 2 jours, j'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin, vent intérieur 206-16 phase 1. Ce n'est pas un GT parce qu'il n'a pas les airbags latéraux. Mais c'est le même dessin, c'est le même tissu, tout pareil. Donc pour le salon, j'ai acheté l'intérieur, je vais poser celui-là. Et on verra après quand j'aurai récupéré les autres sièges pour les faire refaire. Le problème, c'est qu'ils sont morts les sièges. Ils sont tout déchiquetés, regarde, tout griffés. Alors, je vais faire un truc. Fais pas ça chez toi. Ça va être juste pour le salon. Je vais les repeindre. Bon, je te préviens, c'est un tuto de merde. Ne t'inspire pas de ça. C'est vraiment un truc. C'est du visuel. Faut pas faire ça, hein. Je le répète. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Là. Là, on n'est pas sur du 9, on est sur du 1 ou 2, tu vois. Là, c'est très très bas. Mais je pense que visuellement, ça va avoir son impact. Alors, il te faut une spatule avec de la pâte à joint noire, de préférence, de la couleur de ton siège. Tu vois, elle est tout déchirée, tout moche. Et bah, tu te fais pas chier. Hop là, pâte à joint. L'avantage de la pâte à joint, c'est que ça reste souple. Donc, ça risque pas de craquer. Tu fais ça. Tout. En même temps, je vais te dire une chose, c'est même pas du cuir, c'est du sky. Donc plastique, silicone, machin. C'est à peu près les mêmes matières, non? Et regarde, de là où tu es, je pense que ça fait son petit effet. Quand la voiture sera porte fermée, il y a que vous qui allez le savoir. Alors me parlez pas des sièges, hein. Parce que là, c'est la honte. Merci encore à mon sellier. J'espère le voir à Lyon. Regarde-moi celui-là. C'est le plus moche, c'est le plus malade. C'est celui qui devait partir à la poubelle. Limite, tu le fais partout comme ça. Vas-y, hop. Je m'embête pas. Limite, tu le fais partout comme ça. Le truc peut ressortir presque propre. J'ai honte de moi. Surtout, ne regarde pas. Et de loin, dans la voiture, carreau fermé. Franchement, pour 3 jours, ça fera le taf. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça ira? Après, je te les donnerai pour te coucher dessus, si tu veux. Faut juste que ça tienne 3 jours. Après, poubelle. Bon, les petits potes, t'as vu? C'est l'hiver, il est 18h, on voit plus rien. Donc, je vais arrêter là, je vais me reposer et je reprendrai demain matin. J'ai bien avancé, je te montrerai demain matin. Car là, c'est le soir et on recommencera demain matin. Allez, à demain matin. Mardi.
mardi, 9h30. 9h30 parce que je commençais à 9h, mais j'ai été laver les pièces que tu as là, que tu vois flou. Puis maintenant, laver les pièces, tout ce qui est parti avant, pare-boue, radiateur, boîte à air, tout le reste au Karcher, c'était sale. Donc j'ai perdu déjà une demi-heure. Petit café et j'attaque. Et comme tu as vu, ou comme je t'ai dit plutôt, hier, je pouvais pas te filmer, il faisait trop noir, trop sombre. C'était 18h, mais il faisait nuit quoi. L'intérieur, tout est remonté avec mes sièges patajoints. Là, pareil. Les panneaux de porte, les vitres, les rétros, il manque les glaces encore à ramener. La partie moteur, je vais bientôt attaquer, mais d'abord, faut que je termine. C'est le radiateur de chauffage qui est là-dessous. Normalement, il faut déposer presque la planche de bord, mais je vais faire d'une façon où ça va le faire. Truc et astuce, tu sangles le bas du tableau bord au volant. Hop, tu peux le sortir. Et après, tu relâches. Tu tires pas comme un fou non plus. Juste ce qu'il faut. C'est nickel comme ça. Et tu te tapes pas une dépose tableau de bord. h 9h, tout va bien. On est chez le carrossier. Faut encore préparer tout ça. Ouais, moi j'ai pas le temps. Moi. Non, t'as pas le temps. Moi non plus, j'ai pas le temps. C'est putain de merde. Bon, du coup, j'ai mis ma petite colle à pare-brise sur mon extension chez le carrossier. Ça va être une belle galère. Heureusement, c'est filmé parce que si je fais une connerie, il y aura des preuves. Bêtises. Bon, moment très important, celui de la faire démarrer. Donc j'ai mis un coup de démarreur, il y a le démarreur qui se lance, c'est bon, j'ai tout amorcé en huile. Mais elle ne démarre pas forcément puisque j'ai changé la clé. Et là, le but, c'est d'apprendre la clé. Donc j'ai le diag. Je vais essayer de faire si je peux quelque chose, en espérant que ça démarre. On va voir. On va recommencer. Nombre de clés, une. Apprentissage effectué. Couper le contact et attendre minimum de 2 minutes sans démarrer le moteur. On va attendre. Il est 18, on va attendre 20, voire 21. Bon allez, ça fait 3 minutes. Croisons les doigts. Plop plop plop. Plop plop plop. Oh, oh, oh. Ça va y aller, ça va y aller. Je te montre de l'extérieur. On le voit pas, mais j'ai mis du liquide de refroidissement vert.
Bon, il y a le père Serge, il est là-bas, là, on va bientôt le voir arriver. Il est parti se laver les mains, parce qu'on va mettre le capot. Et du coup, il est venu m'aider à nettoyer la voiture. Là, il est en train de faire l'habitacle. Je te montre. Mais pour l'instant, c'est en cours, donc ça va pas non plus te parler trop... C'est pas radical, le changement, quoi. C'est en cours. Et là, le tiopère. Hey, salut. Ça va, c'est pas de la rue, mais c'est pas lourd. Oui, alors il n'y a pas les techniques des dessous. Hein? Non, on s'en fout des dessous. Le véhicule vient d'être repeint. De toute façon, on ne voit pas dans la caméra, on ne sait même pas c'est quoi. Bon, ça y est, c'est l'ouverture du salon. J'étais faire imprimer des documents parce que j'avais oublié. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Tellement de choses à penser, à faire, une voiture aussi à terminer. Donc, ça a ouvert, ça commence à se remplir. Vraiment, de tout comme auto. De l'ancienne, de la moderne, de la classique, de la sportive, des jouets. Je sais même plus où je me trouve. C'est tellement grand. Ah si, c'est par là-bas. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer un petit peu le stand en place. Voilà, il y a de la pièce détachée, des mannequins, il y a de tout. Petit stand Lotus. Tout ça, c'est des clubs, hein. Tout le monde vient de sa petite participation. Il va de sa petite participation, pardon. Il y a même des restaurants. Et nous, on est juste à côté des restos. Et on est là. La 206 est là. Il faut que je te montre. Je te montre un truc. J'ai ramené un pote avec moi, un petit pote. Il se cache. Ouais, un petit stand. Les deux mobs et les deux voitures. Bon, du coup, les petits potes. Première journée de vendredi terminée. Donc, c'est la nocturne ce soir, 21h. On a forcément fait le chorizo grillé, hein, traditionnel. Merci à tous d'être venus, c'était super. C'était un bon petit moment de partage, on va dire. Les voitures vont passer une bonne nuit. Tu vois, moi, je suis au volant là-bas. Et voilà, c'était super. Encore deux jours. Demain, il n'y a pas de nocturne. Mais on fera quand même le chorizo. Donc voilà, c'est une tradition. C'est le chorizo, j'en ai ramené plein. On les fait et tout le monde déguste et découvre. Et il y en a plein qui ne connaissent pas.
Donc tu vois, tu mets des bâches, tout pour tout protéger la mob, elle est rangée. Elle reste là, hein, ça craint rien. Hein. C'est pas trop grave. Et puis voilà. Les allées se vident, les restos sont vides. Tout est vide. Il est quand même 21h30. Maintenant on va aller au resto. On va faire un gros dodo. Je vais commencer à monter la vidéo que tu es en train de regarder à l'hôtel sur le téléphone portable. On va pas se prendre la tête, j'ai pas pris le PC, j'ai rien. De toute façon, toutes mes vidéos sont montées au téléphone portable. Pas de problème. Allez, à demain. C'est le premier que je fais quoi. Écris Ben Auto hein. Ouais bah oui. Ma destination, on sait jamais avec les chéquiers. Amicalement, Unita Driver. C'est clairement le meilleur salon et pocoto de ma vie. Allez, tatouage de fin de soirée. Le salon de la gastronomie. Non mais mec, ton truc là c'est une dinguerie. Et tu vas voir, normalement tu vas m'envoyer des photos si tu vas en faire chez toi. Ah mais c'est obligé. Laurent, goûte-moi ça. Allez, je goûte moi, je te goûte ça. Alors là c'est la 206 de Gigi Touch. Il a fait un travail mais fantastique. Il y a un mois elle était encore dans une grange. Et là il l'a amené au salon Hippocoté, elle est parfaite. Il l'a refait complètement à neuf en un mois. Impressionnant, allez voir ce qu'il fait. Bon bah samedi on est en fin de journée là. Et grosse journée, hein. Beaucoup de monde. Là ça commence à se vider mais tu vois quand même, ça circule. Il y a du passage. Il y a pas mal de monde. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Moi bah, je parle un peu avec tout le monde. Je raconte ma vie. Yeah. Vas-y refais, vas-y. Ah, bonne ambiance, tu vois, les gens ne se prennent pas la tête. C'est vraiment pas mal. Je vous le conseille. L'avantage du salon quand c'est fermé au public, c'est que t'as tout pour toi. Bon, certes, il y a des véhicules qui sont bâchés, mais là, tu peux tout voir. Tranquille. Regarde, il n'y a personne devant. Là, on est dans le coin des anciennes. Hein. Très vieille, même. Belle petite poire. Une poire, de toute façon on est sur le stand de poire, donc forcément. Tiens, regarde. Pour ceux qui ont suivi le projet de la PL17, moteur de poire sur ce carénage. Beau petit stand, hein. Il n'y a personne. Ça c'est un coup, je prends la mob, je fais un tour dans le hall. Je vais me faire jeter si je fais ça. Ah oh, c'est top. Saute et du rite Adrien là. Salut. C'est un faux bar. Avec des durites flexéo bien évidemment. Mmh. Oh il y a un moment. Elle est vraiment énervée. Hein. Bon les petits potes, moi je vous souhaite une bonne semaine. Le salon ouvre ses portes, on est dimanche 9h, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu en retard. Je la finis, je te mets cette vidéo là, et puis je te la poste pour 10h. Voilà, en espérant vous retrouver aujourd'hui pour ceux qui viennent, et plus tard pour les autres. Allez, au revoir. J'ai réussi un mois pour faire la voiture.